La Turquie, c'était un pays trop enfermé sur elle-même, avec une rêve de l'Occident qu'on ne connaît pas. C'est tellement exaltant de se confronter à d'autres cultures, à d'autres façons de penser, à d'autres façons de jouer. Le progrès, ça a été toujours d'aller vers l'Occident. Mais un Occident qu'on ne connaît pas, on connaît seulement sa version un peu romantique, à partir de Beethoven, Mozart, etc. Donc ces périodes-là. Et, alors qu'il y a beaucoup à découvrir. Et je trouve qu'on a plus de relations avec une Europe avant cette période, même l'époque baroque, que l'Europe après la période du siècle de lumière. Quoi. Donc, pour les sociétés traditionnelles, pour les musiques traditionnelles, il y a plus de possibilités d'échange. Ils ont reçu une tradition que nous, on a perdue, en fait. Et donc, on retrouve à travers eux quelque chose que nous avons perdu en Europe. Donc, c'est extrêmement instructif pour nous. Donc c'est très étrange pour nous de voir des gens qui pensent la musique comme, je suppose, devaient penser les Européens au XVIe siècle. Thank you.